Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui vidéo de présentation de certaines de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente trois modèles. Il s'agit de trois Citroën SM. Alors je suis sûr que ça va faire des heureux si je fais cette vidéo-là, donc je vais la faire quand même. Voilà. Donc je le rappelle, Citroën ce n'est pas une marque que j'apprécie énormément. Il y a juste la SM que j'adore. C'est une très belle voiture pour moi avec de très belles formes. Voilà. Avec le moteur Maserati dedans, ça change tout, bien sûr. Donc pour moi, c'est une très très belle voiture et une très bonne voiture. Donc, je vous la présente. Donc j'en ai trois. Donc j'en ai deux, on va dire, normales. Voilà. Et j'en ai une différente qui est ici. Donc on va commencer par les plus grosses et on va commencer par celle-là. Donc qui est une Citroën SM de 1972. Voilà, donc elle est en boîte, je suis désolé, mais je garde souvent des voitures en boîte. Donc c'est du XO 1/43e, voilà, donc elle a appartenu à une collection presse qui est sortie avec Auto Plus, comme vous pouvez le voir. Donc dans l'ensemble, c'est une très très belle miniature. Voilà, un petit peu de poussière, c'est un petit peu dommage, mais je l'ai fait. Voilà. Voilà, donc là on a une très très belle miniature de couleur verte, qui est très très bien d'ailleurs. Voilà, on va pas voir l'intérieur. Voilà, donc elle est très bien finie, je trouve. On retrouve de vraies plaques d'immatriculation, comme on peut le voir. La voiture n'est pas abîmée. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, elle est très très bien. Voilà. Ensuite, on continue donc avec la deuxième plus grosse. Donc, c'est celle-ci. C'est une Citroën SM Espace. Donc c'est une voiture qui a été carrossée par Eliès, comme c'est marqué sur le socle. Elle est de 1971. Donc voilà. Donc cette voiture-là, elle a été construite qu'à deux ou trois exemplaires, je ne sais plus. Il y en a eu une violette, donc comme celle qui est là. Il y en a eu une en bleu et il y en a une en noir et blanc. Voilà. La violette, elle a été détruite. Voilà, bien, malheureusement. Normalement, la violette, c'est celle qui a été présentée au salon de l'auto. Alors, je ne sais plus l'année. Je crois que ça doit être 71, mais j'ai un gros doute là-dessus. Voilà, donc, c'est une très belle miniature, encore une fois. C'est du XO. Alors, oui, c'est juste le socle hein, qui est poussiéreux. La voiture, elle n'est pas trop poussiéreuse. Faut juste que je l'enlève. Mais c'est des vis triangulaires, comme vous pouvez le voir. Donc, j'enlève pas tout le temps. Donc la poussière reste en dessous. C'est un petit peu énervant. Voilà. Donc c'est une très belle miniature. Donc comme je disais, c'est du XO 1/43e. Voilà. Je l'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle Les Introuvables d'Hachette. Et en fait, dedans, il y a plein de choses. Plein de petites voitures ou des camions même. Que XO n'a pas. Enfin, Kixo et Hachette n'ont pas sorti en presse. Et donc celle-là devait faire partie d'une collection, mais la collection n'est jamais sortie. Et donc ils ont mis cette voiture-là en vente sur le site. Voilà. Et normalement, cette miniature-là existe aussi en bleu, mais pas de chez Kixo. J'ai pas le nom du fabricant. Voilà, donc une voiture très bien réalisée. Voilà, comme vous pouvez le voir, la particularité, elle se situe sur le toit. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ce sont des lamelles rétractables, donc les trucs noirs que vous voyez, en fait, ça se remettait en place, ça faisait un semi-cabriolet en fait. Et c'était un peu la particularité de la SM Espace, tout simplement. Voilà. Donc c'est une très très belle miniature. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette miniature-là en début de ma chaîne. Donc si vous voulez aller la voir, la vidéo, bah, je la mettrai en description. Voilà. Et enfin, pour terminer, la dernière miniature, c'est celle-ci. Donc, c'est une Citroën SM de chez Norev, donc à l'échelle 1,64, comme je dis d'habitude. Voilà. Donc, une très belle miniature que j'ai trouvée dans un magasin, mais ça reste cher quand même des Norev. J'en achète très rarement parce que c'est cher quand même pour ce que c'est. Donc, pour ça, je préfère les grandes tailles. Voilà, les grandes échelles. Voilà. Donc celle-là quand même, elle est plutôt belle dans l'ensemble. Voilà. Avec un vert très très clair, je trouve.
Voilà, le dessous. Voilà. Donc voilà, donc c'était mes trois petites SM de ma collection. Alors, je vais revenir un peu sur une collection qui va sortir au mois d'août, parce que je suis sûr que ça pourra intéresser des gens. Début août 2019, il y a une collection qui va sortir avec Hachette. Ça va être une collection sur la marque Citroën. Donc, je suis sûr que certains sont très impatients de découvrir cette collection. Donc, ce sont des voitures sur l'échelle 1/24e, sur des Citroën. Donc, voilà, il n'y aura pas d'Ouvrant, malheureusement, d'après ce que j'ai compris. Je ne connais pas le prix, malheureusement. Donc, si vous voulez, je peux vous donner les 5 premiers véhicules qu'annonce la collection. Donc, il y aura une 2 chevaux France 3, donc en premier. Après, ça sera une ID19 Break. Un type Pache, il y aura une CX, une Mairie 4x4, et après, à mon avis, voilà, il y aura d'autres véhicules. Voilà, donc ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. Et puis j'ai lu aussi sur un site concernant la collection auto vintage qu'il y aura une Peugeot 106 XSI qui va sortir. Je ne sais pas quand, donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, bah, voilà, c'était une petite information qui, je pense, pourra aider certaines personnes. Donc voilà, donc la vidéo va se termine. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.